Salut à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube et sur cette vidéo dédiée à Marvel Tournée des Champions. On se retrouve les amis pour une nouvelle série d'opening. Cette fois-ci, il s'agit des cristaux de connexion que je n'avais pas ouvert depuis quelques mois. Je crois que la dernière ouverture de cristaux de connexion remontait à juillet 2018. Et je vous rappelle, sur ces cristaux, je n'ai jamais vraiment de veine. Je récupère tout le temps le champion 3 étoiles qui est proposé sur le mois, dans les récompenses quotidiennes, les récompenses de connexion quotidiennes. Et donc là, j'en ai 5 à faire d'affilée. Donc du mois d'août 2018 au mois de décembre 2018. Donc on va commencer par Killmonger. Voilà, vous voyez le Killmonger 3 étoiles que je vais certainement récupérer. Et ensuite, j'aurai, je crois, du Captain America Infinity War. J'aurai la Domino, du Korg. Bref, j'ai du beau monde à tirer en, je l'espère, 4 étoiles. Mais il y a de fortes chances que ce soit pour du 3 étoiles. Attention là pour Killmonger, ce sera comme d'habitude la version 3 étoiles. Donc j'ai évalué un petit peu plus sa compétence spéciale qui lui sert essentiellement quand il s'agit de l'amener en défense de garde alliance. Voilà, un Killmonger 3 étoiles en défense de garde alliance, même dans les petits niveaux, autant dire que ça ne servira pas à grand chose. Cette fois-ci, il s'agit maintenant du Captain America Infinity War, donc qui s'avère un super champion 2018. C'est l'un des champions qui fait les plus gros dégâts avec les Corvus Glaive, avec les dominos. Lui, il n'a pas trop besoin de technicité avec Ghost pour être joué. Il tape très fort, il encaisse assez fort aussi. Et ce sera la version 3 étoiles pour changer. Leadership qui monte à 17 de sa compétence spéciale. Oui, bien sûr, Kabam, merci, au revoir. Je continue sur ces cristaux de connexion. Donc maintenant, nous allons passer à Iron Man Infinity War. Donc lui qui se trouve être un très bon défenseur de guerre d'alliance quand il est éveillé. Toujours, je vous parle au moins des champions 4 étoiles, voire des champions évidemment 5 ou 6 étoiles. Et lui, en plus, quand il est éveillé, en dessous des 15%, il devient très technique. Il faut vraiment s'empresser de le tomber avant qu'il ne régénère sa vie rapidement, qu'il ait ses armures qui s'empilent sur lui, qui peuvent éventuellement vous faire du blocage auto quand vous tapez dessus. Donc c'est très dangereux. Ce sera toujours du 3 étoiles. On ne change pas une équipe qui gagne, les amis. Allez, encore 2 cristaux de connexion à ouvrir. Cette fois-ci, il s'agit de Domino. Domino qui, pour moi, est le meilleur champion sorti en 2018. Je sais qu'il y a des gros sites de la communauté qui ont élu Corvus Glaive en meilleur champion 2018, mais pour moi, ça reste Domino. C'est la plus polyvalente, que ce soit en attaque comme en défense. Elle est à la fois monstrueuse en attaque et monstrueuse en défense. Elle fait le café dans de nombreuses situations. Pour moi, c'est le champion de l'année. Et bon, ce sera une 3 étoiles, encore une fois. Vous voyez, c'est pour ça que je me dis, maintenant, ça sert plus trop à rien que je mette la pression sur ces cristaux. Je vais faire peut-être des tirages semestriels, tous les 6 mois. Voilà, la première moitié des cristaux de connexion et la deuxième moitié, ça fera au moins plus de cristaux à ouvrir. Et qui sait, peut-être que sur la quantité, faut pas rêver. Mais sur la quantité, j'aurai peut-être un peu plus de chance et j'aurai, qui sait, un champion 4 étoiles qui tombera sur ces cristaux. Allez, pour le dernier cristal de connexion de l'année 2018, c'est Korg que je vais récupérer en 1, 2, 3, nous irons, nous n'irons pas à 4. Mais écoutez les amis, c'était Juge Fred pour ces tirages de cristaux de connexion de 2018. C'était le dernier tirage des cristaux de connexion de l'année. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez récupéré dans ces cristaux dernièrement. Encore une fois, je profite de cette vidéo pour vous souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année. Et bientôt, nous serons en 2019. Je vous dis à très vite sur ma chaîne YouTube. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Portez-vous bien et à bientôt. Peace.